Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes haïtiens, bonjour, bonsoir, comment nous y est? Bagayo difficile en pile. Napmando, s'il vous plaît, toujours gagne une pensée spéciale pour le pays d'Haïti, pour le peuple haïtien. Quel que soit kotoye, quel que soit sa wap fait, sou kwenan bon Dieu, priez bon Dieu pour Haïti un jour, pour le peuple haïtien surtout, pour le ta apaiser en quelque sorte. Cœur dirigeant nous yo, pour yo fond bagay pour le peuple haïtien. Hommage, continuez à tomber pour chanteur mégastar haïtien Mika Ben. Nous connaissons, mesdames et messieurs, qui t'est contracté une mort subite sous scène Accor Arena dans ville Paris, pays la France, dans un show musical. L'État haïtien a envoyé une délégation à participer dans funérailles Michael Benjamin qui a fait jour 6 novembre 2022. Une monde qui a participé dans délégation ça, c'est lead vocal groupe musical créole Joseph Zeni, Tidio Zeni pour les intimes. Famille Michael Benjamin by date y a organisé yon messe de requiem pour lui dans pays d'Haïti. Dans l'émission ça, on a tout profiter faire un petit passé en revue la vie de Michael Benjamin dans ça il était réalisé non seulement dans échiquier musical là mais amitié ensemble avec moun. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Comment nous y est? Bienvenue sous Vision en action. Vision en action, une plateforme YouTube créée pour donner matière à la pensée, pour aider nous comprendre ce qu'a fait, ce qu'a passé, ce qu'a dit dans la société haïtienne. Tout le monde connaît disparition mégastar haïtien Mika Ben de son nom complet Michael Benjamin. Te fait en pile moun mal en pile l'elle te fin performer, il te fin danser à toute swell sous lit à drapeau pays l'en coule li tombé li mouri li difficile en pile pour moun ki t'ap garder pour famine pour madame ni li triste en pile. En tout cas, mesdames et messieurs, ministre culture à communication pays d'Haïti, madame Emily Prophète Milsé, li te visité famille Michael Benjamin dans le pays d'Haïti, papa, maman, frère seul, zamine. Avec une délégation, côté pour t'al proposer, t'al aviser, avertir en quelque sorte que ministère là, la dirige a gain intention organiser un méga event, un méga événement, un gros événement pour en quelque sorte honorer Michael Benjamin, Mika Ben, musicien. Et de étalter calibre musicien TR dans auteur musicien Michael te représenté à polyvalent talentueux. Eh ben Emily Prophète Milsé averti par Mika Ben y a gain pour organiser en hommage à musicien chanteur interprète là un événement qu'a réalisé à en pile artiste haïtien national ou international. Famille Mika Ben conseiller ou proposé à ministre culture là yo ta conseiller yo ta bien aimé que événement ça ta réalisé mesdames et messieurs en quelque sorte après Mika Ben fin enterré fin reposé en paix. Ministre Prophète te tout profiter et annoncé à la presse, à grand public là tout, à famille Mika Ben de façon spéciale. Gouvernement haïtien a envoyé une délégation dans pays États-Unis, dans ville Miami, pour participer dans l'obsèque artiste haïtien Mika Ben. Délégation ça a composé de Emily Prophète Milsé, qui c'est ministre là même principal. Ak directeur général ministère là qui c'est monsieur Calvin Cadet, la bien la donne des artistes comme Daline Desca, Tidio Zeni, Woody Rootboy. C'est ensemble de moun sa yo cap délégué spécial cap des officiels bien entendu qui pral représenter l'État haïtien bon dignement dans cérémonie funérailles Mika Ben. Mégastar haïtien qui était
disparu jour qui était 15 octobre 2022 dans ville Paris, capitale de la France, pendant qu'il a présenté un programme musical, un show musical. Après trois morceaux, Mika Ben te fin présenté l'itéron l'amni. En tout cas, mesdames et messieurs, famille, Mika Ben dit tout haïtien yo. Yo pense à peuple haïtien, à ça yo te représenté pour Mika Ben et à ça Mika Ben te présenté, non seulement représenté pour Haïti, mais dans la vie, chaque grand monde qui te remet artiste là, y a réalisé yon messe de requiem, yon messe de repos pour Michael Benjamin, jour cap 12 novembre 2022. Michael Ali, li pa tourner encore, pa gagner. Nous ka toujours lamenté en quelque sorte soli, la moli, Jean Mouri, Abdisil te la, mais li pa jam la encore, en chair et en os, la lenet. Et la vie, bah, prépondérance, ou ka l'hôpital, ou passer des mois à l'hôpital, ou passer des années à l'hôpital, mais ou ka gen chance retourner encore. Mais la mort pa bay prépondérance sa, la mort pa bay chance sa. Depuis wale yon seule fois. En tout cas, mesdames et messieurs, li difficile, famille, zami, Mika Ben Benjamin, yo annonce jour kap 12 novembre 2022, ap gen yon mes de requiem kap chante en l'honneur de Mika Ben. Sauf que, poko gen lieu, poko gen place la. Place la, côté la chante, l'église côté la chante, est-ce que c'est Saint-Pierre? Et est-ce que, bon, nous pas connaît qui côté, est-ce que c'est Pétionville? Bon, en tout cas, et en Haïti là, actuellement là, ou t'as dit dans Port-au-Prince, et c'est plus ou moins petit espace ça, sorti peut-être Bramorquette, rivé place Saint-Pierre, qui est plus ou moins, et, bon, canapé vert, qui est plus ou moins accessible. Après ça, pas gain encore, c'est, bon, sensiblement, c'est peut-être et l'église Saint-Pierre, la fête. En tout cas, mesdames et messieurs, n'a rebranché n'importe ça gagné sous Vision en Action, nous là, n'a porté information pour nous. Et Michael Benjamin, mesdames et messieurs, tout le monde connaît, c'était un artiste qui passait de présentation. Tout le monde connaît ça. Pas gain à travers Eve, Mika Ben, à travers ça le qu'on fait, Mika Ben passait de présentation. Sous ça le fait, rend Michael Benjamin immortel. Michael Benjamin, c'est une conception, bien entendu. Michael Benjamin, c'est une conception. Il pas jamais mourir. À travers ça le fait, à travers Eve Lio. Michael Benjamin était fait le 27 juin 1981 à Port-au-Prince dans l'hôpital Canapé Vert. Il y grandit sous influence musique. Michael Benjamin, c'est un polyglotte. Il parlait plusieurs langues pour nous citer créole, français, anglais et espagnol. Michael Benjamin a après le découvrir passion pour musique à 15 ans seulement, d'après ça, il dit. Mais il y a une version qui dit à 16 ans, qui dit à 20 ans. Mais bien entendu, il y a un monde qui est levé, qui joue un papal. Non, musique, à chanter musique. S'il y a une voix pour ça, s'il y a un talent pour ça, s'il est intéressé comme ça. Depuis à 4, 5 ans, ou y a un temps où il y a un talent, il commence à chanter, il commence à interpréter. Même peut-être qu'il était quand même intéressé à prendre une guitare, à prendre un piano, si tu gagnes dans le cas là. Michael Benjamin a fait toute étude primaire et secondaire dans le pays d'Haïti. Après ça, il a traversé dans le pays Canada pour continuer études universitaires, mesdames et messieurs. Et c'est là tout. Passionne vraiment pour musique. Il a adonné la musique dans le voyage. Ça. C'est ça que fait. Premier album, artiste là, Michael Benjamin a sorti littéralement. Voyage dans l'année 2000-2001. Michael gagne 4 albums en actif, plus il participe dans plusieurs musiques
jouer avec moun. Par exemple, dans le groupe Karimi, il t'a fait un petit passage presque un ou deux ans de comme lead vocal dans ben Karimi. Il fait un passage dans Crazy Music, il était membre fondateur. Michael Benjamin, c'est un monde qui vraiment passé de présentation. Ou pas qu'à vraiment fin parler de Michael Benjamin. Il gagne une série de textes, une série de musique. Jean le chanter, Jean le jam, sous n'importe musique. Fait Michael Benjamin, c'est un monde et qui remplaçable dans musique haïtienne, non? Et c'est un monde qui a quitté en pile vide. Mesdames et messieurs, c'est difficile d'accepter perte ça, Michael Benjamin. C'est difficile d'accepter Jean Mouria. C'est difficile d'accepter et la mort ça. Mais en dépit de toute difficulté, puis de toute non-acceptation, la mort ça, nous seulement calamenter. Nous pas gain échange. Nous pas qu'à échanger la mort ça. On l'autre monde pas qu'à prendre. Ça, la mort pas baille prépondérance ça à personne. Pas jamais gagne un monde, un être humain qui mourit, qui ressuscité par la suite. Il y a un peu l'espérance pour ça dans la Bible. Il y a promesse surtout dans le livre et Nouveau Testament, yo, principalement dans le livre Apocalypse, il parle de résurrection. Il y a plein de monde qui adhère à ce mouvement ça, il y a plein de monde qui croit et après ressusciter les ou mourir et ça fait et il y a un équilibre entre le bien et le mal, le paradis et l'enfer et méchanceté et bienséance. En tout cas, mesdames et messieurs, si nous ca fait bien, autant que nous ca fait bien dans la vie, on fait bien. Autant que nous ca agit bien, on agit bien. Autant que nous ca considérer moun bon côté noir, c'est moun nié. En dépit de imprévoyance moun nan te ca gagner, on procurer, on pratiquer le bien parce que c'est seul ça n'a bien pour nous pour y aller et c'est ça que pral fait moun pral parler de nous. Jodi an Mika Ben allé même Jean Eric Jean-Baptiste allé à kapil l'autre moun qui devance nous qui traverser et il a parlé de yo. C'est pas émotion qui fait parler de yo, mais il a parlé de yo pour ça yo te kon fait pour Jean yo te kon agi dans société a Jean yo te kon a aidé moun. Mais n'a dit tout moun n'a pas besoin aider moun pour être important dans société a soit longer on bagay bay moun quelconque, mais à travers ça l'a fait c'est aider l'a aider en quelque sorte. À travers ça l'a dit, à travers positionner, c'est aider l'a aider. Mesdames et messieurs, Mika Ben allé jodi an li pa tourner encore et li pa jam tourner dans corps li teye encore. Nous pas jamais tourner en dépit des espérances nous gagner nous pas vivre dans le ciel. Tout le monde qui mourit te fait le bien ou le mal gagne cap ressuscité pour la vie éternelle, gagne cap ressuscité pour l'enfer éternel. Mais quel que soit, il y a pas bien même pour a, il y a pas même monde encore monde cap ressuscité pour la vie éternelle. Yo yo dit il y a bien encore glorieux monde qui en quelque sorte pas ressuscité pour le mal, il y a bon l'autre corps, il y a transformé. Mais nous pas même monde. Est-ce que pral gen reconnaissance, maman pral reconnaître petite, petite pral reconnaître papa, Marie pral reconnaître madame? Nous pas connait ça, pas gen précision sur ça dans la Bible exactement. Mais c'est sûr que en pile moun yo gen espérance, yo pral ressusciter un jour, yo pral mourir, tout moun ki mouri yo pral ressusciter. Mais n'a toujours dit ça pour rappel. Et gen pile travail qui pral gen pour le faire parce que gen pile être humain qui gen tan mouri déjà et kap mouri toujours. Pour le moins, par jour, nous avons plus que une centaine de milliers de monde qui ont mouru dans le monde entier. Et tout le monde a parlé pour ressusciter. D'après les générations qui passaient déjà, il y a eu plus que 108 milliards de monde qui ont passé sous la terre, qui ont mouru. 108 milliards plus 7 milliards qui ont vivent actuellement. Et l'autre monde qui a pour fête. En tout cas,
tout le monde croit la terre qui pour le passé, avec tout ça que la donne. Seulement la parole de Dieu qui a prêté. Qui profondeur parole ça yo? Qui impact parole ça yo qui fait sur le monde qui vive? Est-ce que yo qui a poté ou pour faire pour peur vive? Toujours apprendre, la vie ou vivre là, c'est un privilège. Le don gratuit de Dieu. Mais pour vivre, il faut faire un art, faut être un artisan pour vivre. Parce que faut faire une gymnastique. La vie, c'est une série vive. C'est une série de gymnastiques ou bien pour faire, ou bien pour aller à l'école, ou bien pour étudier, ou bien pour travailler, ou bien pour faire un paquet d'activités, mettre corps en santé, à l'hôpital. Faut une série de bagailles. C'est une gymnastique, c'est un art. La vie est un privilège, mais vivre est un art. Mesdames et messieurs, on vive la vie. Bay moun bokoto la, l'amour li mérité pendant le vivant. Bay moun bokoto la, importance li mérité, considérez le comme moun. Vini yon humanologue nan vi ou. Ça veut dire reme moun, apprécier moun, quel que soit jan moun nan ye, côté le sorti, sa moun nan ye, classe li, rang social li et travail la fait, possession moun nan, ça le posséder, ça le mettre. J'en le parler. Considérez-le comme yon moun. Servez-le comme yon moun. Et comme ça, la vie a bien plus sens pour vous. Dans j'en observe yon moun a fait réfléchir en pile et a fait que vous content. Ou a vini yon passionné pour la vie. Adieu, Mikaben. A rappeler, l'État haïtien a voyé yon délégation à participer dans funérailles. Michael Benjamin dans États-Unis d'Amérique dans ville Miami jou cap 6 novembre 2022 délégation ça a composé de ministre culture et communication madame prophète Milce monsieur Calvin Cadet Tidiozeni Dalim Deska ak Woody Woodboy c'est moun sa yo cap composé délégation l'État haïtien a voyé al participer dans funérailles Mikaben Michael Benjamin famille Michael Benjamin annoncé yon messe de requiem dans pays d'Haïti pour en hommage à Michael Benjamin mais ça la fête jour cap 12 novembre 2022 sauf que poko gon lieu poko vraiment gen un local qui désigné pour ça ministère de la culture de la communication li annonce tout ak parents famille amis Mikaben nan yon visite guidée ministre culture la Emily prophète Milce te fait la caille famille Mikaben pour annoncer yo gen yon programme y a réalisé en hommage en honneur ak Mikaben pour ça te fait dans musique pour ça te représenter dans musique pour Jean te porter drapeau pays d'Haïti en soudol. Jusqu'à présent, moun poko kon ki dat ki bo programme sa ap fèt en hommage ak Michael Benjamin, mais c'est sûr que li getan annoncé et si peu pral genyen et yon annonce ki pral bay kap di que mais ki côté exactement et événement sa programme sa pral réaliser pour sous direction ministère de la culture pral réaliser en l'honneur en hommage ak Michael Benjamin. Mesdames et messieurs, merci en pile ou même qui t'es resté jusque là et tendez ensemble des détails sur Megastar haïtien qui t'est disparaît jour qui t'est 15 octobre 2022 dans ville Paris Accor Arena dans pays la France dans une mort subite après elle t'est fin présenté morceau sa yo ou parti I miss you. Et l'autre morceau encore, pendant que tu as reposé, peut-être pour te rafraîchir, pour te retourner, pour te performer encore, malheureusement, au cours de route, il est tombé, il est juste mort. La mort pas de prépondérance, et la mort pas de rang social, la mort pas de capacité, intelligence, la mort pas de couleur, la mort pas de dans qui famille ou sorti. Il pas poser aux questions. Pensez à la vie ou. Pensez à moun ki bon koto la. Quel que soit ça le connaît, quel que soit qui est lié, quel que soit ça l'a fait,
Même si c'est avant la caillouan, bal importance. Même si c'est pas petit pao, bal importance. Gardez le temps pour petit toi. Gardez le temps pour petit toi. Moun wap tire bal sous lion. Pendant wap tire bal sous lion, pendant qu'elle fait une méchanceté, pensez à papa ou si c'est un monde qui ka papa ou pensez à maman ou si son monde qui ka maman ou pensez à frère ou là si son monde qui ka frère ou pensez à sœur là si son monde qui ka frère ou pensez à petit tout si son monde qui ka petit tout parce que quel que soit monde ou fait mal là ou fait tout monde mal parce que yo dit la méchanceté d'un homme c'est la méchanceté de l'homme, la mort d'un homme c'est la mort de l'homme. Condoléances encore une fois, sympathie, mes sentiments à famille, amis, Michael Benjamin, à Eric Jean-Baptiste qui partit de façon prématurée. Ça, il y a pas de jam souhaité pour être parti comme ça, faire voyage indéterminé ça comme ça. Un voyage de non-retour. En tout cas, nous n'avons pas qu'à changer ça. En dépit de toute évolution, la science, mais il y a beaucoup de gens qui ont dit, ni jouen, qui côté moun qui mourit ou aller. Parole ça définit bien ça. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Nous toutes ces poussières, mesdames et messieurs. Et merci en pile ou même qui t'a tendé, ou même qui t'a gardé. C'est un plaisir pour nous à chaque fois. Nous gain privilège ça. Que bon Dieu bénisse nous tous. Que nous gon pensée spéciale pour pays d'Haïti à tout le monde qui la donne cap souffrir, cap mourir. Nous pas seulement gon problème mortalité cap monter dans pays sans monde cap couler chaque jour dans pays yon, des crimes odieux crapulés cap fait dans pays yon. Mais nous gon problème famine. Dans le pays en tout, mesdames et messieurs, qui attaquent tout le pays d'Haïti. Il y a un problème famine, il y a un problème grand goût qui attaquent tout le monde dans le pays. Ce n'est pas seulement le Port-au-Prince qui est touché par un grand goût, mais c'est tout le pays qui est touché. Le pays n'a pas de travail et pourtant, il y a un petit mamie du riz, il y a un aliment qui est consommé chaque jour, autant de la vente 100 gouttes, 125 gouttes, plus ou moins. C'est difficile en pile pour comprendre ça. C'est difficile en pile. En tout cas, en partie nous qui a fait nous souffrir en pile, j'en aurais même moun qui a fait nous souffrir en pile, les n'a pensé à problème Haïti ou même qui à l'étranger qui a tendé problème Haïti ou pas vivre. Il y a moun qui fait choix pas tendé nouvelles qui a sorti en direction Haïti parce que ça ou est stressé yo, ça yo attristé yo, ça peiné yo, ça intrigué yo. Mais malheureusement, faut que nous tendez yo pour nous informer sur ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Et ou même qui vivent, ou c'est haïtien, s'il vous plaît, chaque jour, gen une pensée spéciale pour Haïti. M'pa konn qui sa pensée ou la pralier si c'est changement. Parce que changement li dépend de nous-mêmes. C'est non nous la sorti pour attirer l'autre monde, l'autre bagaille. Non, je n'ai pas pensé, non, ça n'a pas fait, non, je n'ai pas agi. On agit de façon bien, avec la raison, avec la bienséance. C'est vrai, on a fait choix, nous fait choix mal, nous dirigeons nous mal. Mais cette fois-ci, est-ce que c'est dirigeant? On a toujours dit, pas de monde qui méchant vrai, sauf que de monde conscience mourir. De monde qui a conscience mourir. Si vous jouez, vous l'autre monde. Qui bon côté yo, qui zami yo, qui parle à qui yo, qui pa vle fè kò a qui yo, qui ba yon choc de raison, de bienséance, de bien-être. Et y a vin moun. Conscience yo a ressuscité, y a vin gon subconscient. Côté y a bien empathie, côté y a servi. Y a mandé pardon avec des larmes aux yeux. Y a mandé pardon. Mesdames et messieurs, c'est triste de parler de pays nous, Haïti, même si nous parlé de Mika Ben Benjamin, mais son haïtien qui te remet bien pour pays, qui t'a souffri, et à tel point,
li mouri ak yon tristesse nan kèr li, li mouri ak yon chagrin. An pil moun peut-être ka di c'est ça qui fait bon, il était amputé en quelque sorte sur Mika Ben parce que il était un plus bon ami, ami d'enfance li, parrain de mariage li, parrain petite li qui c'est Fredo Dupou qui était kidnappé pendant il était sous scène, il t'a bail plaisir, apparemment il était content, il t'a souri, il t'a dansé, mais l'enfant que li t'a bat très fort, il pas connait qui ça t'a passé avec bon ami nan ak parrain de mariage li an, ak parrain petite li an. Est-ce qu'il vivant toujours? Est-ce qu'il a vive? Est-ce qu'il mourit? C'est tout ça yo pendant Michael t'a pensé, t'a dansé, t'a chanté, t'a souri apparemment, mais c'est tout ça yo qui t'est dans cœur, tristesse pour Zamina, tristesse pour Haïti, douleur qui t'a ravagé. En tout cas, c'est difficile, mesdames et messieurs. Merci encore une fois. Vision en action.